Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Cocteau, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tout simplement pour montrer l'emplacement des gargouilles. Bref, il y a eu un petit bug, ils ont changé le mode, ils l'ont enlevé, et du coup quand on dansait devant les gargouilles ça marchait pas, bref. Du coup, quand le mode va revenir, vous serez où sont les gargouilles, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à te follow. Sinon, je suis en live tous les matins de 7h jusqu'à peut-être 16h, donc n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne Twitch ou YouTube, comme tu voudras. Bref, sur cette carte, on peut voir l'emplacement des gargouilles. Donc, il y en a un à Haunted Hill, dans le manoir. Il y en a un deuxième dans le parapluie. Il y en a un troisième à Tomato Temple. Un quatrième à au village des Vikings. Un cinquième à Flash Factory. Bref, je vous montrerai l'emplacement un peu plus en détail et on ira voir où sont les gargouilles. Donc, tout d'abord, l'emplacement, du coup, au château à Haunted Hill, c'est juste dans le hall, tout simplement. Vous aurez juste à faire une petite danse, ça prend 2 secondes. Et voilà, vous aurez donc la truc de valider. Après, nous avons cet endroit, donc là, c'est le parapluie. Vous savez, il faut redescendre dans le parapluie, aller casser, et vous aurez tout simplement cette petite gargouille, il faudra danser aussi. Après, là, on a Tomato Temple. Alors là, c'est hyper simple, les gars, c'est juste à côté de la maison, dans le creux. De toute façon, vous la verrez à des kilomètres quand vous serez en haut. Après, là, on passe au village viking. Donc ça aussi c'est hyper simple à trouver, il y a 2 petites tables en plus et on voit super bien cet endroit. Et pour finir les gars, ça c'est à Wallingwood, vous savez, à Wallingwood, à Flush Factory les gars, sur la montagne, on la voit à des kilomètres. Bref, maintenant on va lancer une petite game, voilà, et je vais vous montrer où sont les statues. Malheureusement le mode a été désactivé comme vous le voyez, donc on ira tout simplement vous montrer où sont les emplacements. En tout cas j'espère que la vidéo vous a vous plaire, c'était Cocteau, bon visionnage. Du coup les petits potes, il y a des gargouilles juste ici à Tomato Temple, ici au parapluie, ici à Haunted Hill, ici pour là, et pour finir vers Flash Factory. Nous on va aller faire celle de Tomato Temple les gars, celle de Tomato Temple les gars, en vrai on peut la voir d'ici. Je vais essayer de vous la montrer visuellement et après d'aller directement au parapluie, ok? Alors ça va être très tendu mais je pense que je peux le faire largement. Non, au pire je vous en montrer qu'une les gars, sont hyper simples à trouver les gargouilles. Là malheureusement vous voyez tout le monde a été désactivé, là c'est en mode totalement normal. Regardez, les runs ont totalement été désactivés, il y a eu des bugs. En même temps, je vous avoue que le mode, il y avait beaucoup trop de zombies. Vous voyez, la gargouille, elle est juste là. Vous voyez, ouais, on peut pas les louper. Toutes les gargouilles, les gars, on peut pas les louper. On peut pas les louper, les gargouilles, ok? Regardez, ouais, elle est juste là. Hop là, petite gargouille. Faudra que je fasse la petite danse devant. C'est hyper simple, c'est pas piquer des hannetons, comme dirait pas Mixem. Bref, vous mettez là, vous dansez. Là, ça marche pas, les gars, s'ils ont désactivé le mode, du coup, voilà. Juste à faire ça, vous avez juste à faire ça, du coup, ici. Donc à Tomato, le parapluie c'est pile ici là, vous voyez, vous rentrez là, pile ici. Là après, Haunted Hill, dans le château, pile au centre, là vous rentrez, il peut passer, pas plus simple. Après les gars, Wallingwood, juste là, là, pareil. Et après, Flash Factory, donc là sur la montagne, voilà. Je pense que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, c'était Cocteau, n'oubliez pas que je suis en live tous les matins. Donc le petit abonnement, le petit follow sur Twitch, ça fait plaisir. Allez, c'était Cocteau.